Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Forza Motorsports. Nous allons découvrir les nouveautés de la semaine. Donc cette semaine, deux voitures en réduction, donc la Shelby Monaco King Cobra qui va vous permettre de rouler en mode carrière en endurance et en mode multijoueur en endurance. Et deuxième voiture en réduction, la Shelby Cobra Daytona Coupé qui va vous permettre de jouer en mode carrière, en endurance et en mode multijoueur en Spotlight Series. Donc cette semaine, dans le mode carrière, en vedette, toujours l'Open Class Tour. Vous avez 4 jours pour le finir. D'ailleurs, j'ai pas fini, il va falloir que je me dépêche. Donc, et pour l'Endurance Tour, deux épreuves Endurance classique, voilà, qui vous permettront bien sûr de remporter la, alors c'est la Nissan R390, je crois qu'elle est nommée. Donc, pour la série multijoueur, donc en Endurance Series prototype d'époque du Le Mans, donc vous utiliserez une des Shelby. Pour les épreuves ouvertes, Spotlight Series, bien sûr, avec la Shelby Daytona. Après, une série Classe S avec laquelle j'ai acheté une Audi e-tron GT, qui est pas terrible, hein, ça me plaît pas du tout, cette voiture. Donc, ça sera pas une semaine bien terrible. Et après, une série Classics, donc là, je ne ferai pas de vidéo. Parce que j'ai déjà fait des vidéos avec les voitures dont je dispose. Donc c'est parti pour les endurances en multijoueur. Nous voilà sur le circuit complet du Nürburgring. Bon, désolé, il n'y a pas beaucoup de participants. C'est que j'ai pris la séance d'essai trop tard, j'ai pas pu faire de qualif. Bon, c'est pas bien grave parce que vu qu'à l'arrivée on est que 3. Alors, la voiture est que niveau 20, ça va être compliqué pour suivre le premier, je pense. Bon, bien sûr, je vais beaucoup couper de la partie parce que voilà ça. C'est une heure d'endurance. Une heure sur ce circuit, ça va être costaud. Ça fait 8 tours. Même je crois que ça va être dur de... Parce que ta voiture a un excellent freinage quand même. Alors elle est que niveau 20, donc voilà, c'est pour ça que ça va être dur de suivre le premier. C'est vrai que j'ai jamais couru en multijoueur sur ce circuit, mais sur cette variante du circuit. J'ai pas souvenir. Accident, je le mettrai dans la vidéo bien sûr, parce qu'en général c'est spectaculaire quand on tape, mais je vais éviter de taper parce que vu que je vais pas passer souvent au stand et puis je sais même pas combien de
de temps vont durer les pneus si je peux faire au moins deux tours avec lui. Déjà. Aux essais, on était quand même 6 ou 7. En fin de compte, il n'y en a que 2 qui ont décidé de participer à la course. Ce circuit doit en rebuter plus d'un. Ça va me permettre de la prendre. Oh là là, j'hallucine.
peut-être lui, il y a peut-être de quoi qu'il a plus de moins. Je vais essayer de faire deux tours avec les pneus, mais ça va être vraiment très très compliqué. Donc voilà. Ça va être complexe. Bon, je prends le risque de faire. Bon, mais on se retrouve plus tard dans la vidéo s'il y a des gros changements ou des événements, des accidents exceptionnels. À tout de suite.
depuis 5 tours. Pas de bol. Je me suis fait doubler dans le dernier tour. Bon, une course, voilà, juste pour ça permet d'apprendre le circuit. Rien de bien particulier. Bon, je finis au moins 3e sur 3. Bon, dommage qu'il n'y ait pas plus de participants. Il y a beaucoup de gens qui sont pleins du contenu de Forza, mais bon, les gens, ils jouent rien du contenu, ils jouent pas, donc ça en devient ridicule, les critiques de certains. Bienvenue sur le circuit de Yas Marina pour la course avec la Shelby. Bon, une bonne qualification vu le niveau de la voiture qui est niveau 10 là. 9 ou 10, ça va dépasser le niveau 10. Bon, enfin une course parce que voilà, j'ai débuté une première course, mais bien sûr, il y a eu une interruption de serveur. Et donc je me suis retrouvé sur le circuit de Yas Marina. Et où j'ai eu une éjection du serveur aussi, mais je me suis reconnecté pour l'instant, ça devrait être bon. Alors encore à nouveau des problèmes de serveur sur Forza. Donc déjà gros problème cette semaine avec une panne du Xbox Live, donc impossible de jouer à Forza. À nouveau face à des problèmes de déconnexion sur Forza. C'est vraiment leur serveur, c'est vraiment problématique. C'est devenu du coup, ça va revenir le problème principal sur ce jeu. Une bonne voiture hein, qui est bien équilibrée d'origine. Un peu plus de participants sur cette course, mais bon, s'il y a des problèmes de connexion, c'est normal qu'il n'y ait pas de joueurs, pas beaucoup de joueurs. Pourtant, bon, je suis. Voilà, le problème, c'est que. Bon, j'enregistre la vidéo le samedi à la place, en général, c'est le vendredi. Donc, j'ai quand même moins de problèmes. Enfin, j'ai moins de problèmes pour enregistrer le vendredi. Après, bon, il y a eu les départs à la carte. Bon, je tente. Alors, je sais pas si j'aurais pris une pénalité pour avoir coupé dans l'entrée des stands. On va voir.
fallait pas que je m'arrête. J'ai pas fait attention au nombre de tours. En fait, c'était le dernier tour. Bon, une course décevante, mais bon. Ouais, j'aurais pu finir si j'y avais quand même. Allez, on se retrouve pour la prochaine course avec l'Audi e-tron. Nous voilà sur le circuit de Road America. Ça plante, bien sûr. Ça a du mal, hein. Voilà une dixième place en qualif, on va dire sur 11 qui ont fait un temps de chrono et encore le 11e a fait un tour clean, donc voilà, c'est pour ça que je me retrouve en fait en dixième place, mais c'est un très mauvais temps, c'est une voiture qui est exécrable. Très compliqué de faire un tour propre avec cette voiture. Oh mince, c'est vrai qu'il y a deux vitesses sur ce. Bon, voilà. Thank you.
Salut. La pénalité de temps total est d'environ une pas fini le dernier, mais
YouTube. Bon, 13ème, j'ai pas perdu tant de place que ça, mais j'aurais pu éviter de perdre plus de place là, si j'avais été un peu plus concentré. Mais bon, c'est. Je vais voir si elle évolue, si elle est plus performante en montant de niveau. Mais bon, là, je suis sceptique, c'est pas plaisant à piloter. Donc, ça va être une semaine très difficile avec cette sélection de voitures que j'aime pas du tout, vraiment pas. Donc, ça va être une semaine très dure. Je pense que je vais largement redescendre vers les 4000 points en compétences. Là, je suis au niveau A, en classe A, mais j'espère remonter. J'essaie de remonter un peu en classe S. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Bien sûr, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'ai pas aimé.